d'acclamation. Oh, grande acclamation à Jésus-Christ. Le roi des rois. The King of Kings. Le Seigneur des Seigneurs. The Lord of Lords. Le roi des rois. The King of Kings. Le Seigneur des Seigneurs. And the Lord of Lords. Acclamation au là-bas. La offering to Jesus. Merci. Nous allons parler de la puissance de l'obéissance. We are going to talk about the power of obedience. Quelqu'un va lire pour nous 2 Samuel chapitre 1. 2 Samuel chapter 1. Tu commences au verset 17. Start from verse 17. 2 Samuel chapitre 1 à partir du verset 17. Jusqu'au verset 27. Jusqu'au verset 27. Voici le cantique funèbre que David composa sur Saül et sur Jonathan, son fils, et qu'il ordonna d'enseigner aux enfants de Juda. C'est le cantique de l'arc. Il est écrit dans le livre du Juste. L'élite d'Israël a succombé sur tes collines. Comment des héros sont-ils tombés? Ne l'annonce point dans Gath, n'en publie point la nouvelle dans les rues d'Ascalon, de peur que les filles des Philistins ne se réjouissent, de peur que les filles des circoncis ne triomphent. Montagne de Gilboa, qu'il n'y a sur vous ni rosée, ni pluie, ni champ qui donne des prémices pour les offrandes. Car là ont été jetés les boucliers des héros, le bouclier de Saül, lui l'a cessé de le oindre. Devant le sang des blessés, devant la des plus vaillants, l'arc de Jonathan n'a jamais reculé et le pied de Saül ne retournait point vide. Saül et Jonathan, aimables et chéris pendant leur vie, n'ont point été séparés dans leur mort. Ils étaient plus légers que les aigles, ils étaient plus forts que les lions. Fille d'Israël, pleurez sur Saül, qui vous revêtait magnifiquement de cramoisie, qui mettait des ornements d'or sur vos habits. Comment des héros sont-ils au milieu du combat? Comment Jonathan a-t-il succombé sur tes collines? Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était admirable au-dessus de l'amour des femmes. Comment des héros sont-ils tombés? Comment leurs âmes se sont-elles perdues? Amen. Il y a une sagesse qui est cachée dans ce cantique funèbre. There is wisdom hidden in this funeral hymn. Si un vaillant guerrier tombe malade, if a mighty warrior falls sick, et qu'il vient à mourir, and he's about to die, and he dies, on le comprend très bien. We understand it very well. Mais qu'un vaillant, but that a mighty man, réputé, a reputable mighty man, béni, blessed, aille à la guerre, goes to war, et tombe sous l'épée de l'ennemi, and falls under the sword of the enemy, ça ne se comprend pas. This cannot be understood. Ça demande qu'on nous explique. It has to be explained. C'était le cas de Saül et Jonathan. That was the case of Saul and Jonathan. La défaite de Saül et de Jonathan, the defeat of Saul and Jonathan, suscite des interrogations, raises questions. C'est ce que David a chanté. That is what David sang. Comment les héros sont-ils tombés? How have the mighty fallen? Avec les armes à la main. With their weapons in their hands. La réponse, the answer, est simple. Is simple. La désobéissance. Disobedience. La désobéissance. Disobedience. Revenons dans 1 Samuel 31 verset 1 à 6. Let's come back to 1 Samuel chapter 31 verse 1 to 6. Les Philistins livraient bataille à Israël et les hommes d'Israël prirent la fuite devant les Philistins et tombèrent morts sur la montagne de Gilboa. Les Philistins poursuivirent Saül et ses fils et tuèrent Jonathan, Abinadab, Malchishua, fille de Saül. L'effort du combat porta sur Saül. Les archers l'atteignirent et le blessèrent grièvement. Saül dit alors à celui qui portait ses armes, tire l'épée.
et m'en transperce, de peur que ces incirconcis ne viennent me percer et me faire subir leurs outrages. Celui qui portait ses armes ne voulut pas, car il était saisi de crainte. Et Saül prit son épée et se jeta dessus. Celui qui portait les armes de Saül, le voyant mort, se jeta aussi sur son épée et mourut avec lui. Ainsi périt en même temps dans cette journée Saül et ses trois fils, celui qui portait ses armes et tous ses gens. Amen. Ce passage nous montre les circonstances dans lesquelles Saül et ses enfants, ses fils et son serviteur ont trouvé la mort. This passage shows us how Saul, his sons and his servants had their end. Et c'est pour cette raison que David chante son interrogation. And that is why David sings the hymn which is like a question. Parce que Saül avait été choisi par Dieu lui-même. Because Saul was chosen by God himself. Choisi. Chosen. Il a dit qu'il était beau. He said that he was handsome. Plus que tous les autres d'Israël. More handsome than all the men of Israel. Même par sa taille. Even by his height. Il est dit que Dieu l'avait équipé. It is said that God had equipped him. Dieu avait changé même son cœur. God had even changed his heart. Et Dieu lui avait donné le Saint-Esprit. And God had given the Holy Spirit. Et Dieu lui avait donné des signes et des recommandations précises. And God had given him precise signs and recommendations. Et Dieu avait même parlé de lui à Samuel un jour avant. And God had even spoken about him to Samuel a day before. Que demain je t'envoie quelqu'un. That tomorrow I'm going to send you someone. C'est celui que tu dois rendre roi sur Israël. That is the one you are going to anoint as king over Israel. Et David se demande pourquoi est-il mort les armes à la main. And David is asking himself, how come that he died with his weapons in his hands? Quand le Seigneur avait décidé. When the Lord decided. D'exterminer les Amalécites qui s'étaient opposés aux enfants d'Israël. To wipe out the Amalekites who opposed the children of Israel. Il avait confié cette mission à Saül. He handed this mission over to Saul. Lis pour nous 1 Samuel 15. Read 1 Samuel chapter 15 for us. Lis à partir du verset 1 jusqu'au verset 2. Samuel dit à Saül. C'est moi que l'Éternel a envoyé pour tuer nos rois sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. S'il te plaît, continue jusqu'à 9. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Maintenant, frappe Amalek et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes. Enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Saül convoqua le peuple et en fit la revue à Telaïm. Il avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui. Car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël lorsqu'ils montaient d'Égypte. Et les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek. Saül bâtit depuis Avila jusqu'à Chour, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et leurs meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Il ne voulut pas le dévouer par interdit et dévouait seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Amen. Voilà la mission. This is the mission. Va, dévoue par interdit Amalek. Go and utterly destroy Amalek. Chaque commission, every commission est un test d'obéissance. It's a test of obedience. Quand confie un travail. When God hands over a duty to you, ce travail est un exercice pour voir si tu es obéissant. That duty is an exercise to see if you are obedient. Mais le but ultime n'est pas de voir si tu es obéissant.
But the ultimate goal is not to see whether you are obedient. C'est que tu accomplisses la volonté de Dieu. It is for you to accomplish God's will. C'est la mission même, la commission elle-même qui constitue pour toi un test. But the commission itself is for you a test. Si tu obéis, if you obey, tu entres dans le succès. You enter success. Et ça deviendra ainsi jusqu'à ce que le Seigneur revienne. It will be that way until the Lord comes back. Chaque obéissance, every obedience, t'élève. Raises. Chaque obéissance, every obedience, t'élève. Raises you up. Chaque obéissance, every obedience, te conduit dans le succès. Leads you into success. Chaque désobéissance, every disobedience, te disqualifie. Disqualifies you. Et t'es loin des desseins de Dieu. And draws you far from God's purposes. Viens lire encore. Come and read it again. Chapitre 9, verset 1 à 2. Chapter 9, verse 1 and 2. Il y avait un homme de Benjamin, nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Séror, fils de Bekorath, fils d'Afiash, fils de Benjamin. C'était un homme fort et vaillant. Son père était fort et vaillant. His father was strong and mighty. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau que les enfants d'Israël et les dépassant tous de la tête. Amen. Vous voyez, même sa taille, il dépassait tout le monde. You see, even his height, he was taller than everyone. Son père était puissant. His father was mighty. Lui-même était fort, beau, vaillant. He too was strong, handsome, and mighty. Qu'est-ce que Dieu dit? Lis le verset 16. Listen to what God says. Demain, à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin. Et tu l'oindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins. Car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. Amen. Dieu a parlé de lui à Samuel un jour avant. God spoke about him to Samuel a day before. Que je t'envoie quelqu'un demain. That I'm sending someone to you tomorrow. Il a pour mission de délivrer les enfants d'Israël de la main des Philistins. His mission is to deliver the children of Israel from the hands of the Philistines. Il va les sauver. He will save them. Donc, il est béni. Il est béni. Il est élu. So he was elected. Il est béni. Blessed. Il est oint. Anointed. Et le Seigneur lui donne. And la première guerre, il a battu. Il a vaincu. And the Lord gave him the first war, and he won it. Même ceux qui ne voulaient pas le suivre se sont mis à le suivre. Even those who did not want to follow him started following him et against their will. Le Seigneur lui confie donc une mission. And then the Lord handed over to him a task. Quand il est parti, when he went, il a fait ce qu'il voulait. He did what he wanted to do. Il n'a rien fait de la mission que Dieu lui avait confiée. He did nothing of the mission that God had handed over to him. Voici ce que la Bible dit. This is what it says. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour joindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que l'Éternel dit. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Samuel said to Saul, the Lord sent me to anoint you king over his people, over Israel. Now therefore, heed the voice of the words of the Lord. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Thus says the Lord of hosts, I will punish Amalek for what he did to Israel, how he ambushed him on the way when they came up from Egypt. Va maintenant, frappe Amalek et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Tu n'épargneras point. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et bêtes, chameaux et ânes. Now go and attack Amalek and utterly destroy all that they have and do not spare them, but kill both man and woman, infant and nursing child, ox and sheep, camel and donkey. Et nous voyons ce que Saül a fait. And then we see what Saul did. Verset 9. Verse 9. Commençons verset 7.
Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Et il prit vivant Agak, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit en le passant au fil de l'épée. And Saul attacked the Amalekites from Havilah all the way to Shur, which is east of Egypt. He also took Agag, king of the Amalekites, alive and utterly destroyed all the people with the edge of the sword. Écoutez très bien. Listen attentively. Saul bâtit Amalek. Saul attacked the Amalekites. C'est-à-dire qu'il était capable. It means that he was able. Il est allé. He went. Il a battu. He conquered them. Écoutez. Listen. Il prit vivant Agag. Ce n'est pas parce qu'il est fort. Il est capable. Il a battu. Mais il décide d'épargner quelqu'un. That is, he took Agag, king, alive. It's not because he was strong, but he killed every other person and then decided to take him alive. La parole dit, Saül bat. Amalek depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. The Bible says, and Saul attacked the Amalekites from Havilah all the way to Shur, which is east of Egypt. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua, interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. He also took Agag, king of the Amalekites, alive and utterly destroyed all the people with the edge of the sword. Dieu lui avait dit de tuer tout le monde. God had told him to utterly destroy everybody. Il avait les moyens, il avait l'onction pour ça. And he had the means, the anointing to do it. Et quand il est arrivé, and when he arrived, il a frappé. He struck. Et il a pris le roi. Then he took the king. Il l'a gardé, il l'a épargné. He spared his life. C'est ça qu'on appelle la désobéissance. That is what is called disobedience. Et il a tué tous les autres. And then he killed all the others. Tout le reste. The rest. Il a gardé le roi. He left the king alive. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Et ils ne voulurent pas le dévouer par interdit et ils dévouèrent seulement tout ce qui était misérable. But Saul and the people spared Agag and the best of the sheep, the oxen, the fatlings, the lambs, and all that was good, and were unwilling to utterly destroy them, but everything despised and worthless that they utterly destroyed. Beaucoup de personnes obéissent de cette manière. Many people obey in this way. Quand Dieu leur donne des ordres, when God gives them orders, ils ne refusent pas. They don't deny. Mais quand ils se mettent à pratiquer, but when they go on to put into practice, ils veulent mettre cela en pratique, when they want to put it into practice, ils choisissent les commandements plus faciles. They choose the easier commandments. Et salut, aime ton frère comme toi-même. That is, love your neighbor, your brother as yourself. Ils choisissent. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. They choose, come unto me, all you are weary. Ne crains point, je suis ton berger. Fear not, I am your shepherd. Là, ils disent, oui, Seigneur. For those ones, they say, yes, pardonne Lord. Pardonne mon incrédulité, je sais que tu es mon berger. Oh Lord, forgive my unbelief, I know that you are my shepherd. Car dis-toi là, tu as deux femmes. C'est l'adultère. Tu as gardé la première. When you say you have two wives, that's adultery. You have to keep the first. Tu laisses l'autre qui est venu troubler. And then you leave the other who came to bring disorder. Tu fuis. In that case, you flee. Tu prends celle-là, tu la caches. Tu dis, cache-toi ici, Dieu ne t'aime pas. Je viendrai de temps en temps. And hide her somewhere, and you say, "Stay here. God does not love you. I will come from time to time." Elle ne lève pas accepter tout, mais la tricherie, il dit non. Là, il faut quand même que je passe en classe supérieure. A student can accept all, but when it comes to cheating, they'll tell themselves, "Well, I need to go to the higher class." Chacun a des domaines dans lesquels l'obéissance est difficile. Il faut le souligner. Chaque être humain.
Every human being has a domain in which obedience des domaines où il est difficile d'obéir. Every human being has a domain in which it is difficult to obey. C'est là qu'il faut te concentrer. And that is where you must concentrate. Dieu te dit va détruire toutes les brebis. God tells you go and destroy all the sheep. Tu frappes la première, tu vois la graisse qui coule. Voilà. Tu dis, ça y est, je veux garder ça. You strike the first and you see fat coming out and you say, this one I'll keep it. Rien que la graisse que tu as vue. Only the fat that you saw. Je ne peux pas détruire tout. Tuer toutes les brebis qui ont la diarrhée là, éliminez-les rapidement. Mais épargnez celles qui sont grasses. Je veux réfléchir. Then you say, destroy all those that have running stomach. Destroy all of them. But for the rest, I'll think over it. Chaque être humain, every human being, a des domaines, has domains dans lesquels l'obéissance est difficile. In which obedience is difficult. Au moins un domaine. At least one domain. Il ne faut pas te réjouir des domaines où c'est facile, et puis tu dis, je suis obéissant. You should not rejoice about the domains that is easy, and you tell yourself, well, I'm obedient. Quand, si tu veux aller loin avec Dieu, if you want to go far with God, il faut apprendre à être transparent devant Dieu, pas devant les hommes, mais devant Dieu lui-même. You must learn to be transparent before God, not before men, but before God himself. Il y a des gens qui pensent que Dieu ne les voit pas. There are people who think that God doesn't see them. Quand Samuel a rencontré, quand Dieu a dit à Samuel que je regrette, je me repens d'avoir établi roi, d'avoir établi Saül pour roi sur Israël. When God told Samuel that I regret for having established Saul as king of Israel, Samuel s'est mis à la recherche de Saül. Samuel began to look for Saul. Quand il l'a trouvé, when he found him, Saul était le premier à le bénir, à le saluer, à le bénir. Saul was the first to begin to greet him and to bless him and pronounce blessings on him. Il lui dit, sois béni de l'Éternel. He said, be blessed of the Lord. Il lui dit, j'ai fait tout ce que l'Éternel m'a dit de faire. And then he said, I've done all that the Lord has asked me to do. C'est là sa vraie personnalité. That was his true personality. Le mensonge. Lies telling. Les dons spirituels n'enlèvent pas les vices. Spiritual gifts do not take away vices. Nous avons vu. I've seen it. Il est rempli du Saint-Esprit. Filled with the Holy Spirit. Dieu lui donne un nouveau cœur. God gave him a new heart. Le cœur c'est quoi? C'est le siège des affections. What is the heart? The heart is the seat of affections. Quand Dieu te donne un nouveau cœur, and God gives you a new heart, il balaye les vieilles choses que tu aimais. He sweeps away all the old things that you loved. Il lave ton cœur. Cleanses your heart. Mais la pensée de l'homme, but man's mind, demande l'homme lui-même change sa pensée. It demands that man should change his thoughts. Ça, écoutez ça très bien. Listen to this carefully. Il y a des choses que quand Dieu trouve un homme, there are things that when God finds a man, il y a des choses qu'il même accomplit. There are things that he himself accomplishes. Il a promis dans Ézéchiel 36 qu'il va changer le cœur. He promised in Ezekiel 36 that he would change the heart. Concernant la pensée de l'homme, concerning man's mind, Isaïe 55. Let us read Isaiah 55. Bien lire pour nous le verset 6 au verset 8. Come and read for us verse 6 to verse 8. Cherchez l'Éternel pendant que se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Amen. Les humaine. The human thoughts doivent être abandonnés par l'homme lui-même. Must be abandoned by man himself. Oui, Dieu lui a donné le Saint-Esprit, il a changé son cœur, mais la pensée qui habite son esprit. God gave him the Holy Spirit and changed his heart, but the thoughts that abide that in his spirit, c'est une pensée de ruse, de fausseté. Where thoughts of tricks and falsehood. Il y a des gens qui pensent que quand tu es baptisé dans le Saint-Esprit, tu es rempli du Saint-Esprit,
tous les péchés sortent en même temps. There are people who think that when you are filled with the Holy Spirit and baptized into the Holy Spirit, all sins flee out at once. Le Saint-Esprit agit là où l'homme a abandonné les pensées humaines. The Holy Spirit acts where man has abandoned human thoughts. Quand l'homme s'est engagé dans les sentiers de Dieu. When a man commits himself to God's pathway. Sinon, vous voyez, quelqu'un qui désobéit, il sait que Agar est vivant et qu'il y a les grâces et les vaches, les ânes qui sont cachés. Il a épargné, mais il se tient devant un prophète pour dire que j'ai fait tout ce que l'Éternel m'a dit de faire. If not, look at someone who has spared the king Agag and then has kept all the fattened calf and the sheep, but he stands before a prophet and tells him that I have done all that the Lord commanded me to do. Alors qu'il n'a pas fait. Whereas he has not done it. Relisons ça ensemble. Let us read it together once more. 1 Samuel, viens lire 1 Samuel chapitre 15. 1 Samuel 15. Commence au verset 10. Start from verse 10. Jusqu'au verset 14. To verse 14. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, « Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et n'observe point mes paroles. » Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller au devant de Saül. Et on vit, Saül est allé à Carmel et voici, il s'est érigé un monument. Puis il s'en est retourné et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saül et Saül lui dit, « Sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. » Samuel dit, « Qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'entends ?» Saül répondit, « Je les ai amenés de chez les abattites parce que le peuple a épargné les meilleurs brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué pas interdit. » Amen. Sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. Be blessed of the Lord. I have done according to all that the Lord commanded. Entre nous, est-ce qu'il a observé la parole de l'Éternel? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Did he obey the word of the Lord? What is he trying to do? Il est en train de... He's lying. La désobéissance s'est déjà mariée au mensonge. Disobedience is already married to lies telling. Quelqu'un qui désobéit est un menteur. Someone who disobeys is a liar. Il ment. It's a liar. Frère, je bénis le Seigneur pour notre œuvre. Brother, I bless the Lord for our work. Il y a un exercice que j'aime. There is an exercise that I love. J'avais entrepris d'établir le trait d'union entre les livres du frère Zach. I had undertaken to look at the relationship between Brother Zach's books. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui relie un livre à l'autre? That is what ties one to another. C'est alors que j'avais découvert que les enseignements du frère Zach sont progressifs. That's when I realized that Brother Zach's teachings are progressive. Le chemin de la vie pour t'amener à Dieu. The way of life to bring you to God. Le chemin de l'obéissance pour t'amener aux choses comme le baptême. The way of obedience to bring you to things like baptism. Le chemin de la sanctification, ainsi de suite, ça évolue. The way of sanctification and the rest, it evolves. Et ça, les enseignements arrivent à un niveau où on demande des gens qui sont vaillants. The teachings get to a level where you need only mighty men. C'est là qu'on parle de loyauté. That's where we talk about loyalty. D'attachement. Attachment. Les disciples faisaient des disciples. Disciples and disciple makers. Ça, c'est pour poser les fondements d'une œuvre homogène. That is to lay the foundation for a homogeneous work. Dans cette recherche, dans cette dynamique de recherche des vaillants hommes,
In that quest for mighty men, il est arrivé que les rusés se sont infiltrés. It happened that cunning ones infiltrated. Et l'enseignement sur le cœur pur est venu mettre la barrière. And the teaching of the pure heart came to set the boundaries. Est-ce que vous me suivez très bien? Are you following me? Ça fait que ceux qui s'appellent lion et aigle, quand il faut avoir le cœur pur, ils deviennent des poulets. So those who could call themselves lions and eagles, when they got to the point of the pure heart, they became chicken. Et des poussins. And chicks. Frère, notre œuvre, brethren, our work, a une chaîne de paroles, has a chain of words, qui peuvent garder un homme dans la vérité, which can keep a man in the truth. L'enseignement que je suis en train de vous donner là, the teaching that I give you, son titre, its title, quand le frère Zach l'a donné, when brother Zach gave it, c'est que les positions spirituelles ne sont pas automatiquement maintenues. Is spiritual positions are not automatically maintained. Exemple de Saül. The example of Saul. Moi, je l'utilise ce soir dans le domaine du combat spirituel et de la sanctification. In the domain of spiritual warfare and sanctification. Mais c'est le même message. But it's the same message. Ne te réjouis pas. Do not rejoice. Parce que tu as reçu un don. Because you received a gift. Dieu a béni l'église de Côte d'Ivoire. God has blessed the church. Même dans les villages, les frères, les jeunes gens ressuscitent les morts. That even in the villages, young men raise the dead. Donc, en tant que missionnaire, so as a missionary, c'est moi qui dois leur donner ce type de message. I'm the one who has to give them this kind of message. À chacun comme à moi-même. To each one as to myself. Et je sais aussi que Dieu m'a accordé la grâce de voir certains miracles. And I know that God has also granted me the grace to experience some miracles. Mais je voudrais vous dire que je n'oublie pas ce message. But I would like to tell you that I do not forget this message. Pour moi-même. For myself. Et c'est ça qui me donne le repos. And that is what gives me rest. Parce qu'il faut savoir, il faut t'évaluer toi-même. Because one needs to evaluate oneself. Jésus a dit. Jesus said. Quand vous aurez accompli, quand vous aurez fait tout ce qui vous a été demandé de faire. When you would have done all that you were commanded to do. Dites-vous que vous êtes. Nous sommes des serviteurs inutiles. That we are unworthy servants. Nous n'avons fait que ce que nous devrions faire. We have only done our duty. Et Jésus a dit. And Jesus said. Ne vous réjouissez pas. Do not rejoice. Parce que les démons vous sont soumis. That demons bow to you. Réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Rejoice that your names are written in the book of life. Nous sommes bien indiqués pour apprendre ce verset-là par cœur. We are created to memorize these verses by heart. Si Dieu nous a bénis, if God has blessed us, et il nous a donné du travail, and has given us work to do, travaillons sur nos cœurs. Let us work on our hearts. Ne faisons pas comme Saül. Let's not behave like Saul. Si tu dois obéir, if you must obey, obéis là où Dieu te demande d'obéir. Obey where God asks you to obey. J'ai demandé à une sœur d'aller repentir auprès d'une autre sœur. I asked a sister to go and repent to another sister. Au lieu d'aller dire, oh ma sœur, pardonne-moi. Instead of going to say, oh my sister, forgive me. Ce qui était difficile pour elle. That which was difficult for her to do. Elle a acheté trois pains. She bought three loincloths. Ce qui était plus facile. That was easier. Et elle est partie lui donner. And she went and offered sans parole. Without any word. Je suis allé vérifier. Je dis, est-ce que cette personne t'a vu? I went and verified and asked, did this person see you? Est-ce qu'elle t'a demandé pardon? Did she ask you to forgive her? Elle dit non. She said no. Elle m'a gardé trois pains. She brought three loincloths for me. C'est l'obéissance de Saül.
That is Saul's obedience. Là où c'est facile. Where it is easy. On obéit vite. We obey quickly. Là où c'est difficile. Where it is difficult. On n'obéit pas. We don't obey. C'est ça qui fait que si tu vérifies même dans cette salle, tu vas trouver au moins qu'un homme qui n'a pas encore décidé de laisser la masturbation. Il n'a même pas encore ça en projet. That's why if you verify in this hall, you'll find out that there is at least one person who has not decided to abandon masturbation. He doesn't even have it in his projects. Tu peux trouver quelqu'un qui va consulter les sites pornographiques après cette réunion. Tu vas trouver. Il est là, il sait qu'il n'a pas encore abandonné. Même quand je parle, il s'irrite. You can find someone who, after this teaching, will go and watch videos on pornographic sites. And even when I'm talking about it, he still has it in his mind and he gets angry about it. Pendant que j'en parle même, son cœur bat. While I'm talking about it, his heart is beating. Pas parce qu'il veut laisser. Not because he wants to stop it. Il a peur d'être exposé. He's afraid to be exposed. Ça, c'est l'obéissance de Saül. That is Saul's obedience. C'est ça qui fera que tu meurs les armes à la main. That's what will make you to die with your weapons in your hands. Et il faudra un David pour chanter ton cantique. And then we'll have David to sing your hymn. On dit laisse, tu ne laisses pas. Laisse, tu ne laisses pas. He tell you, leave it. And change, tu ne changes pas. Change. C'est ça qui va te faire tomber les armes à la main. That is what will make you to fall. Comment les héros sont-ils tombés? How have the mighty fallen? C'est ça la cause. That is the cause. En épargnant les brebis grasses. By sparing the fattened. Sheep. Les héros vont tomber. Heroes have fallen. Les armes à la main. With their weapons in ça n'a rien à voir avec l'élection, la plénitude du Saint-Esprit, l'onction de Dieu. Ça, c'est vrai. It doesn't have anything bon. To do with election, fullness of the Holy Spirit and gifts of God. That is good and it's true. Saül était beau, grand de taille. Saul was handsome and tall and strong. Rempli du Saint-Esprit. Filled with the Holy Spirit. Encadré par des signes, Dieu lui dit, si tu vois ça, sache que je suis avec toi. Surrounded by signs, God told him, if you see this, know that I'm with you. Dieu avait travaillé de telle sorte qu'il était dans l'assurance, dans la certitude. God had worked in such a way that he was in assurance and certainty. Mais il était un menteur. But he was a liar. Il n'a pas travaillé son cœur. He did not work on his heart. Il n'a pas su que les désirs peuvent revenir en foule. He did not realize that desires can come. Et que chacun doit dire non, non, non. And that each one must say no, no, no. Que l'homme du péché se abandonne ses pensées. That the sinful man should abandon his thoughts. Merci Père. Je reconnais que je suis un acteur inutile. Je comprends que c'est pour moi que tu as parlé. Je ne veux pas mourir les armes à la main. Je veux, Seigneur, m'établir dans l'obéissance. Bénis-moi avec cette capacité, Seigneur, que cette parole, je puisse la méditer chaque jour. Je puisse la méditer chaque jour. Afin d'être un modèle dans l'obéissance. Ouvrez grandement mes yeux. Oh Père, personne ne doit mourir dans cette salle. Qu'il en soit de même pour chaque dirigeant. Personne ne doit mourir, Père. Personne ne doit mourir les âmes à la main. Donne-nous ton pays, Seigneur, s'il te plaît. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que quelques personnes prient encore. Seigneur, nous te bénissons, ô notre Dieu. Merci pour ton choix qui s'est porté sur nous avec tous les dons spirituels dont tu nous as équipés. Mais Seigneur, tu nous avertis. Tu veux que nous reconnaissions que nos cœurs sont tortueux par-dessus tout. Nous ne le connaissons pas, Seigneur. En cela, Seigneur éternel, je dois sonder mon cœur
être transparent devant toi, m'approcher de toi, Seigneur, avec honnêteté, avec sincérité, pour reconnaître là où mon cœur me trahit souvent et m'amène à pécher contre toi, à violer tes ordonnances et ainsi, Seigneur, à tomber les armes à la main. Père, je prie pour moi-même, je prie pour chaque frère, je prie pour chaque dirigeant. Accorde-nous de sonder nos cœurs, notre Dieu, parce que les dons spirituels ne suffisent pas, parce que les miracles ne suffisent pas, parce que la vaillance ne suffit pas. Tu as besoin de cœurs purs, tu as besoin que nous marchions avec toi, avec des cœurs délivrés de tout péché, des cœurs sanctifiés, des cœurs purs, des cœurs vrais, Seigneur, qui marchent avec toi dans la sainteté. Seigneur, s'il te plaît, fais-le pour moi-même, fais-le pour chaque dirigeant, Seigneur, que nous soyons capables de pouvoir au modèle, dans la vérité, chaque jour, Dieu, chaque semaine, chaque mois, chaque année, courte afin prière. Que nous progressions avec toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, mon cœur est mauvais. Je reconnais qu'il est tortueux. Les pensées qui m'animent parfois, Seigneur, sont effrayantes. Oh Seigneur, viens mon secours. Viens mon secours, Seigneur. Garde-moi de toute séduction. Que je ne me fie pas, Seigneur. Oh Seigneur, mon cœur. Que je ne me fie pas, Seigneur. Oh don que tu as mis en moi. Mais que je me corrige. C'est que j'accepte ta parole dans son entièreté, Seigneur. Que je ne trie pas ce qui m'arrange. Oh, s'il te plaît, accorde-moi d'obéir. Seigneur, je vais t'obéir en toutes choses, Seigneur. Même quand c'est dur. Seigneur, donne-moi la puissance, Seigneur. Oh, de t'obéir jusqu'au bout, Seigneur. Même quand je pleure, Seigneur. Même en pleurant, en gémissant, que je puisse t'obéir, Seigneur, jusqu'au bout. Oh, s'il te plaît. Je prie que tu vises chacun de nous, que personne ne se fie à sa position, que personne ne se fie à sa position, parce qu'il mourra comme Saül était prince. Saül était roi, ses enfants étaient princes. Ils sont morts comme des cochons, la tête suspendue sur une clôture. Seigneur, je prie, Seigneur, que tu aies pitié de nous. Oh, que personne ne se dise, je suis dirigeant, je suis missionnaire, je suis ancien, je suis libre. Seigneur, pitié de nous. Seigneur, donne-nous la puissance de nous évaluer nous-mêmes devant toi, d'être transparent, de nous connaître. Oh Seigneur, pour fuir ce qui peut nous faire tomber. Je t'en supplie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Psaume 139, à partir du verset 1. Psalm 139, from verse 1. Au chef des chants de David, psaume. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Écoutez, le but de ce passage... Listen, the goal of this passage, c'est que tu saches très bien, is that you should know clearly, que Dieu connaît tes pensées. That God knows your thoughts. Dieu connaît tes pensées. God knows your thoughts. L'insensé dit Dieu ne voit pas. The foolish person says God does not see. Donc quand Saül dit j'ai obéi, il ne sait même pas que Dieu le voyait. So when Saul says I've obeyed everything, he doesn't even know that God was watching him. Il ne sait pas que Dieu a déjà dit à Samuel que ce monsieur n'a pas. He did not know that God had already told Samuel that this gentleman had not obeyed. Quand quelqu'un ment, il ne connaît pas, Dieu ne voit pas. When someone lies, they do not know that the thing that God does not see and that he does not know. Il faut abandonner toutes les attitudes de mensonge. You must abandon all the attitudes of lies. Un homme qui a un fond de mensonge ne peut pas être obéissant. A person who has an attitude of lies telling cannot be obedient. Parce que dans le mensonge, il y a la ruse, il y a les astuces, il y a la ruse. Because il y a la dissimulation. Because in lies telling there are tricks, there is craftiness, there is dissimulation. Mais pour être délivré, but to be delivered, il y a certaines vérités qui peuvent t'aider. There are some truths that can help you. En voici une. This is one of them. Tu sais quand je m'assis et quand je me lève. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. You know my sitting down and my rising up.
La sagesse commence. Wisdom begins. Quand un homme, when a man, sait que Dieu le voit quand il se lève et quand il s'assoit. Knows that God sees him when he rises and when he sits. Continue. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu pénètres de loin ma pensée. You see my thoughts right to the depth. Un homme qui connaît Dieu, a man who knows God, sait que Dieu pénètre de loin sa pensée. Knows that God penetrates his thoughts. Dieu voit ce qu'il ne veut pas dire aux gens. God sees that which he cannot tell men. Tu pénètres loin ma pensée. You penetrate right deep into my thoughts. Si tu n'as pas atteint ce degré de connaissance, if you have not yet got to that level of knowledge, tu ne peux pas être délivré du mensonge. You cannot be delivered from lies. Tu penses que tu as affaire avec les hommes. You think that you are dealing with men. Mais Dieu te dit, but God tells you, je pénètre loin ta pensée. I penetrate your thoughts right to the je depth. Je te vois quand tu te lèves. I see you when you rise. Et je te vois quand tu te couches. And I see you when you lie down. Tous tes actes de masturbation, tout ce que tu caches. All your acts of masturbation, le vol, all that you hide, your theft. Dieu te voit. God sees you. Vas-y. Continue, please. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Tu sais quand je marche et quand je me couche. When I walk and when I lie down. Il connaît Dieu. He knows God. Il connaît Dieu. He knows God. Il y a des gens, tu lui dis comment tu t'appelles. Mais Dieu sait pourquoi tu n'as pas dit. There are people when you ask them what's your name, they start making hair. God knows. Comment vas-tu par la grâce? How Dieu sait doing? Ce que tu ne veux pas dire. How are you doing? You say by the grace. God knows why you don't want to say it. Dieu connaît tes intentions. God knows your intentions. La délivrance commence quand un homme réalise. When a man realizes que le vrai Dieu connaît ses intentions. That the true God knows his intentions. Continue. Et tu pénètres toutes mes voies. Tu pénètres toutes mes voies. Continue. You penetrate my paths. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais. Quand je conçois une parole, when I conceive a word, avant même qu'elle ne sorte au niveau de ma langue, before it comes out from my tongue, oh Éternel, tu la connais déjà. Oh Lord, you already know it. Un tel homme peut-il encore mentir? Can such a man still lie? Il connaît Dieu. He knows God. Continue. Tu m'entoures par derrière et par devant. Tu m'entoures par derrière et tu m'entoures par devant. You surround me from behind and from the front. C'est-à-dire Dieu l'a cerné. Means that God has enveloped him. Et je vous dis une chose. Let me tell you something, please. La Bible dit que Dieu a amené les captifs. The Bible says that God brought the captives. L'auteur de ce psaume fait partie de genre de personnes que Dieu cerne. Dieu dit tu ne vas pas t'égarer comme tu penses et il jette le filet sur toi. These kinds of psalms are the kinds that God puts a hedge around you and tells you you are not going to stray and then he throws his hook. Cette prière veut dire je vais encore faire comment? Tu m'as déjà vaincu. This prayer, je veux bouger devant, tu es là. Je veux faire un pas en arrière, tu es là. This je veux sauter, means, tu es au-dessus de moi. Je veux méditer sur un petit plan. Tu sais déjà tout. Je suis là. Donc, tu dis à Dieu, je suis là. This prayer just simply means that the person is just overtaken by God. He just tells God, when I go to the front, when I walk, you are there. I just want to think about a little thought. You already know it. So, Lord, here am I. Continue. Et tu mets ta main sur moi. Ah, hallelujah. Hey. Reste tranquille. Quand tu sais ça là, when tu, you know tu this, ne t'amuses plus. You don't joke anymore. Il dit à Dieu, tu mets ta main sur moi. He tells God, you have laid your hands on me. Tu fais de moi un captif prisonnier. You have made of me a captive, tu m'as prisoner. Dompté. And you have tamed me. Tu as maîtrisé mes folies. And you have mastered my folies. Je veux bouger, tu es là. I want to move forward, you are there. Je veux murmurer dans mon cœur, tu as déjà I entendu. Want to murmur in my heart, you've already heard it. Je me couche même, je mets les couvertures sur moi pour me voir. I sleep and I put my blanket over me, but you je see me. Je creuse la terre, j'entre dedans. Tes regards percent la terre. I dig a pit and I go inside. Your eyes penetrate the soil. Je me rends. I yield. Tu es fort. You are strong. Continue. Go on, please. Une science aussi merveilleuse au-dessus de ma portée. Ça me dépasse, comme disent les hommes. That is, it has just gone above me.
Ça me dépasse. It's just above me. Et là, au lieu d'être menteur, tu deviens adorateur. So instead of being a liar, you just become a worshipper. Et quand on va te dire, détruis Amalek. Destroy Amalek. Si tu sors l'épée, if you take out your sword, si la terre d'Agag n'est pas à terre, tu ne te reposes pas. If all don't come down to the soil, you don't stop. Ça veut dire qu'il y a une puissance dans l'obéissance. Means that there's power in obedience. Il y a une puissance dans la vérité. There's power in truth. Les combats des hommes vrais, the battles of true men, sont différents des combats des gens faux. Are different from the wars of false. C'est dans la bataille de fausseté. C'est dans les batailles où on caresse la fausseté. It is in the battles where we play with falsehood. Qu'on meurt les armes à la main. That we die with our weapons in hand. Pourquoi les héros sont-ils tombés? Why have the mighty so fallen? Non, ils ont désobéi. No, they disobeyed. Ils ont dit que l'Éternel ne nous voit pas. They said the Lord doesn't see us. Gardons les brebis, gardons tout ce qui est gras, on va gérer ça, on va offrir les sacrifices. Vous savez, l'avantage des sacrifices, c'est qu'on en mange aussi.